Élèves et militaires, ils ont marché une bonne partie de la journée. Plusieurs kilomètres dans les pas des 177 Français débarqués à Sword Beach le jour J. Puis grâce à eux, normalement, si la France n'était pas libérée, on parlerait allemand et puis voilà. Les troisièmes qui ont le programme, la Seconde Guerre mondiale au programme, font cette marche commando pour le vivre de façon plus intense que quand ils sont devant moi, assis sur des chaises. Plus intense quand les rejoint Léon Gauthier. L'un des derniers bérets verts originels du commando de Philippe Kieffer, le vétéran vient se recueillir. Et transmettre inlassablement. Je vois souvent les enfants, donc je leur explique beaucoup de choses. Il faut qu'ils sachent ce qui s'est passé. Parce qu'il faut qu'ils soient très vigilants. La force du témoignage d'une mémoire vive et chez les élèves, l'émotion. C'était incroyable d'être là à ce moment. Je pense que c'était une vraie chance pour moi. Je suis très fier. Fiers les écoliers au point de demander un petit mot sur leur t-shirt et d'entourer Léon Gauthier comme chaque année depuis 10 ans jusqu'au pont de Bénouville. Cette fois encore, ils étaient plusieurs centaines.